Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur GTGaming pour l'épisode 7 de la série GTA V, le braquage de Caillou Perico en compagnie de Rick, Yout et Farah. Coucou. Oui. Alors comme vous voyez, je suis toujours dans le sous-marin avec Rick, hein, donc allez voir les épisodes précédents pour comprendre comment on en est arrivé là en fait. Pendant que Farah et Yout, eux, sont sur le continent, enfin sur l'île, enfin bref, sont pas dans le sous-marin. Parce que dans Los Santos. Bon, en fait, ils vont nous attendre gentiment là-bas parce que nous on va prendre l'hélico qui n'est que deux personnes, je rappelle, dans le sous-marin. Donc on pourra pas y aller à 4, donc c'est pour ça que c'est quand même mieux de pas venir à 4 pour qu'après on soit emmerdé avec tout le monde qui rame. Enfin, bref, je passe les détails, donc du coup, on va regarder ce qu'on peut faire, parce qu'il y a encore des missions de préparation qu'on n'a pas encore terminées. Je vais vous mettre ça ici, hein, sur le plan, regardez bien. Donc je vais mettre en vue première personne, voilà. Donc, véhicule d'approche, on en a 1 sur 5, mais normalement c'est bon, on pourra en faire d'autres, facultativement. C'est histoire de découvrir. Moi j'irais bien faire un avion en bateau, mais on fera pas ça maintenant. Là on va essayer de faire quelque chose qui est assez obligatoire, on va dire. L'arsenal c'est fini, c'est le tir d'élite. Alors est-ce que la question, est-ce que je prends ou pas les silencieux à 5000$? Bah 5000 en fait, on s'en fout en fait. Allez, c'est pris. Enfin moi je dis ça. Gadu, il s'en fout, c'est pas ton pognon. C'est moi qui paye, vas-y, profite. Bon, de toute façon, le braquage ça va te rapporter, hein. Donc, l'arsenal c'est fait. Bien sûr, des clopinettes comme à chaque fois. Oh bah 5000, t'as bien récupéré les 5000 quand même. Toi. Alors, perturbation, bah, on a les 3. Voilà, arme, protection, soutien aérien. Soutien aérien, tu l'avais démarré, mais en fait tu l'avais pas terminé. Non, c'est protection qu'on avait pas fini. Non, c'est protection qu'on avait fini. Ah non, attends, je te le refais. Arme, on l'a fini, c'est sûr. Protection, en fait, on l'a fait en vidéo, mais on n'avait pas terminé parce qu'on attendait Farah et Yout. Et soutien aérien, tu l'avais lancé. Juste après, en fait, tu l'as annulé directement. En fait, on l'a même pas. C'est juste lancer, arrêter si tu veux. Ah oui, bah donc, du coup on verra. Ouais, celui-là on le fera pas. Donc il nous reste il nous reste du coup l'arsenal, c'est ça? C'est l'arsenal, hein? Parce que là, la perturbation, on a tout. Si tu peux revenir en arrière juste. D'ailleurs, parce qu'il y a Pavel qui est en train de parler. Ah, bien. Hop, et matériel. Voilà, dans matériel. Charge explosive et duplicateur d'empreintes. Je te propose qu'on essaie de faire ça. Il y en a un quatrième, hein, qui est bloqué pour l'instant. Ah, peut-être qu'on l'aura déverrouillé, peut-être à la fin alors. Bah, une fois qu'on aura fait le braquage, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui vont se déverrouiller. Comme tu peux voir qu'après préliminaire. Ah oui, ça doit être le braquage qui va se déverrouiller. Là, on a renseignement, préliminaire, et après il y aura braquage. Ok. Eh bien. Matériel, tu veux lequel en premier? Oh bah, charge explosive, faut nous le premier. Allez. C'est parti, vas-y. Les infos, c'est quoi? Voilà. Je vais lire ça vite fait aussi, je vais mettre devant justement pour lire le texte bien propre, parce que sinon on va avoir du mal à lire. Donc, info mission, voler, des charges explosives pour détruire la porte principale blindée de la base d'El Rubio. Je rappelle pour les viewers, El Rubio c'est sur l'île. Rubio c'est le trafiquant. Mais qui est sur l'île. Oui, qui est sur l'île. Voilà, ah, je pensais que tu disais que c'était l'île. Non, c'est pas le. D'accord, c'est Caillou Perico, l'île. Voilà. Oui, effectivement. Allez voir les épisodes précédents si vous voulez comprendre les viewers, parce que pour ceux qui se posent qui vont dire du coup du parle. Allez voir les épisodes précédents. Conséquence sur le braquage, vous pourrez entrer dans la base d'El Rubio par la porte principale. Vous pourrez également. On n'a pas vu la fin. Bon, c'est pas grave, vous ferez pause. C'est juste une phrase, Rick, mais c'est pas grave. Ah bon, tu peux pas revenir. Rejoignez le dépôt ferroviaire de Grab Speed. Allez, viens. C'est parti. Viens. Viens au Rickcopter. Je mets en vue troisième personne sur GTA. C'est de coutume. Ah. Avant on disait viens à la Batmobile, mais bon, c'est ni je suis ni Batman ni c'est une mobile. Ni mobile. Ni gal. Voilà. Donc c'est un copter, c'est un Rickcopter. Et par contre t'as les yeux qui partent comme si t'avais fumé de la drogue. Ah c'est GTA quoi. Franchement j'ai peur à chaque fois. C'est l'air de Los Santos, il y a tellement de trafiquants que. Moi j'ai toujours peur que tu décolles, c'est dans le sous-marin. Sachant que, pour les vieux, hein. Ah, dans l'autre sens. Vous voyez bien que l'hélico en fait clairement est plus petit que le sous-marin. Donc c'est un miracle, là il va sortir tout en pliant les ailes. J'ai cru voir une prime sur Farah là, non c'est pas ça? Non, c'est fait. T'es légèrement ça. D'accord, j'ai une prime en bas à gauche à 3000$. Mais je sais pas si c'est sur. Ah, mais c'était tout à l'heure. Peut-être. Il y a 8 jours. Rick en a récupéré 2700, moi 300 et Farah 500. Rejoignez le dépôt ferroviaire de Grape Seed, qui veut dire une graine de raisin en français. Grape Seed. Bravo! Merci! Bon, Farah, hein, je crois que tu n'en avais pas la moindre idée, toi. Ne serait-ce pas une raisin-raie? Oula! C'est au nord! Attends, qui s'est fait là? Qui s'est fait le Rick? Rick? Au nord, c'est téléphone. T'es pas crash, là? Non. Alors, soit c'est moi qui ai un problème, une des synchros. Ah, c'est ok, j'ai une des synchros.
Bon, tu verras sur la vidéo ce qui s'est passé. En fait, t'as piqué. D'accord. En hélico. On est habitué, hein. C'est de plus en plus fréquent, en fait, malheureusement. T'as tapé dans un pylône du pont et t'as fait. Regarde-moi là, les deux couillons là, regarde qu'ils sont en carte là, en dessous. Oui, effectivement, je vois là. Eh oui, en direct de l'autoroute, nous suivons les deux fuyards. Voilà, Faramir essaye de session. Rejoindre Cartouche. Alors par contre, j'arrive pas à sortir mes roquettes, est-ce que je peux faire quelque chose pour ça? Alors, est-ce que Faramir va lancer un champignon, une carapace sur Cartouche? Oula. Cartouche vient de lancer une voiture sur Faram. Je vois que Faram rattrape sur Youtube. Je sens que Faram a chopé l'étoile. Faram rattrape vraiment Youtube. Je ralentis. Et en tête, j'ai dit que les V8 américains c'était pas top sur les cartes, il faut un truc plus nerveux. Ah, mais j'essaye de mettre des voitures en travers. J'ai pris un niveau juste en regardant Yut et Farah. Enfin, c'est super intéressant. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est après synchro là. On va tous au même point d'ailleurs. Vous avez le point aussi, Yut et Farah. Sur la map, forcément. Oula. Il y en a qui s'amusent à tirer sur les voitures. Tentative. Envoyer, là c'est le gros camion, il aurait fallu envoyer le gros camion sur Farah. Mais c'est raté. Attention, il y a des panneaux de... qui indiquent les voies là. Je fais attention, merci. Ça s'il te plaît d'abord. Pour les viewers, mais on s'en fout un peu, mais oula. Attention, Rick, il y a un pont. Il y a un pont. parce qu'on regarde la course, mais c'est vrai qu'on pourrait se prendre en même temps le. Ah, il y a les flics devant. C'est à l'autre bout de la. De la map ou quoi, Rick? Ah bah non, Grapsid c'est les champs qui sont au nord à droite. Oh oui, ça va, oui, on est juste à côté, ça va, ça va. Là on est juste. On est pas très loin. On va arriver dans un instant. Donc là, on va rejoindre le dépôt ferroviaire. D'accord. On est chanceux de récupérer des charges explosives, je crois. Comme j'ai pas tout suivi ce qui a été dit en bas au tout début là. Oui. Alors, je viens d'acheter des silencieux, hein, si vous vous rappelez au début de l'épisode, hein, pour ceux qui étaient là. Donc pour le coup là, comment ça se passe avec les silencieux? C'est qui les armes? Et Pavel me dit, bah, si tu n'as pas peur de faire du bruit, prends des charges explosives. Ah. Silencieux et charges explosives, trop cool. Ouais, j'avais envie d'y dire, hey mec, je viens d'acheter des silencieux. Pas envie de faire de bruit, quoi. Mais c'est plus efficace contre les coffres, hein, comme il me dit. Donc, Ah oui, oui, parce que c'est vrai que les balles ça ricoche à coup à tuer des mecs. Là, tu tires là, le mec à côté qui souffle. Ah oui, tu m'étonnes. Alors, je suis en train de loquer des mecs. Je pense que je vais ouvrir le feu. Attends, il y a des camions qui apparaissent, là, je vois. Il y a un camion qui est apparu. Non, mais. Ah, vraiment, alors, attends. Éliminer les frères O'Neill. Ah, bah on les connaît, lui. C'est Jack et qui? April. Ah, c'est une sœur, ça. Alors, je te laisse faire, Rick. Par contre, fais attention parce qu'il y a Farah qui. Si tu veux, moi je veux bien descendre pour tirer dessus, mais. Fais attention parce que. Ouais. Ok, oula, on descend, ça. Nettoyage effectué. Donc, je vous laisse, hein, les viewers, mater le nettoyage. C'est facile, petite mission tranquille. Ah, faut aller dans la ferme des O'Neill. Justement, je pensais aux O'Neill parce que Grapsid, c'est un peu leur coin. Ah, c'est pas à côté, ok, superbe. On va au ranch. T'as vu comment on est quand t'es efficace, Rick? Ça, c'est magnifique ce que tu nous fais. Ah oui, reporter de l'extrême. Et on s'est même pas posé. J'ai absolument rien fait pour une fois. Je pas vite. En direct. Pour une fois. Pardon. C'est pas bien le fait de dire. Non, c'est comme une fois, toi. Non, mais... Là, je crois qu'il va falloir descendre. Il fallait au sous-sol, là, descendre, ouais, ça. Voilà. Sans t'exploser, hein, ça va en vrai. Parce que là, je suis là, t'as bien joué. Oula. Les mecs sont à l'intérieur, je peux pas les viser. Ça, c'est évident. Ah, par contre, faut que je reste en hauteur pour la police. Hey. Tu fasses quoi? Oh, par contre, j'ai foutu le feu à la maison. Pas un problème. Ah, t'as quelle arme je vais prendre? Pas mettre le feu à la maison avec la piscine. Je sais pas, bouge pas. Hop. Ready? Ready, go! Every year we stand to go! Every year we can go! Tu, hein, la fille, y a personne. Doucement, Rick, doucement. J'allais par là. Pourquoi je marche? Y'a un mec là.
Ils montent ta gueule, ce juste débile. Voilà. Merci. Localiser le sous-sol, je dirais qu'il est sous la maison. Il y a un mec devant. Alors le sous-sol il est chiant à trouver, c'est faut aller à gauche tout de suite en rentrant là. Ouais. Et non tu te perds, c'est un vrai labyrinthe là maintenant. Alors j'ai tué moi tous ceux qui étaient au rez-de-chaussée déjà. Donc on va pas à l'étage. Ah lui il y a un petit gun. Non c'est sous-sol, le labo. Ça fait mal hein, pour les joueurs. Hein. Par contre il est fermé. Alors, d'ailleurs une clé. Donc c'est-à-dire qu'il y a un, il y en a un qui a une carte d'accès, hein. C'est ça. Ah mais ceux qu'on a tués. Ah bah ça j'avoue la carte d'accès sur le plan. Ouais c'est bon, t'as été la chercher, c'est bon nickel. Ah par contre t'as dit, la lune c'est pas d'entrée. Ah c'est bon, je suis Yut, c'est bon. Bon je suis Yut. Alors Yut, un casque de moto ne protège pas des balles, c'est juste pour le fun là que tu nous fais ça. C'est surtout pour le karting, je sais pas si t'as vu comment je conduis mais... Je préfère le casque. Vous êtes déjà parti ou pas? Parce que je suis un peu tout seul là moi. Il faut rentrer. Non, moi j'arrive pas à se faire. C'est au sous-sol, Farah. Il y a un mec encore qui est vivant encore par terre. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Il ne l'est plus. Bon, ça va. Alors, si t'es au sous-sol, c'est plutôt tranquille en fait en soi. Ok, charge explosive récupérée. Ok. Extraction. Extraction. Ça m'a fait peur. Go. Ah, on est rentré, il faut ressortir maintenant. C'est pas pour ça, c'est le pack carabalé. Ça, c'est le pack carabalé. C'est pas ici, les gars. Hey, ah, c'est là. Vous êtes rentrés tous les trois avant de vous rendre compte quand même que c'était pas par là. Gars. Putain, je suis quoi ça, mec? Ok, je prends une voiture. Putain, mais je suis coincé. Si jamais t'arrives à péter le bagnole. Ok, Gadu, monte. Grimpe, Gadu. Extraction. Putain, mais c'est quoi ça? Go. Extraction, Gadu. Ouais, je sais, mais j'ai dit on allume un petit peu là pour. C'est bon, Farah, tu t'en sors. C'est bon, je suis dessus. Roule. T'es dessus, ça. T'es tout seul. Ah, t'es sur le carte. Ah, par contre, je crois que t'as ton. Ah, bah, je suis mort. Un peu bizarre. Putain de bagnole qui a explosé à côté de moi. Ta sirène l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas le bon bouton. Eh, pourquoi tu t'es chié de la route? T'es passé travers le pare-brise ou. Il est perdu. Vas-y. Pour les viewers, vas-y, moi, grimpe, Farah. Parce que. Attends. Monte, Farah. Bah, je disais pour les viewers, voilà ce qui peut vous arriver si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité. En revanche, vous allez plutôt passer par le pare-brise et non pas ouvrir la porte comme Eric l'a fait. C'est H, non? Par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'air dans la voiture. Merde, je me rappelle plus c'est comment retirer les... F. On peut enlever la clé? Non, F, c'est pour sauter, justement. Ça veut faire. Ah, ça, c'était dans... Bon, je crois que c'est E, trop longtemps, je savais c'est avant. C'est dans la manette. Sur la manette, faut que t'appuies sur la... Je crois que c'est E. Sur le truc directionnel, là. Je crois que c'est E, moi. C'était eux. C'était ça, ouais. Ouais, tu vois, comme quoi... Mais entre Red Dead Online et GTA, là, on commence à s'y perdre. Je vous ai déjà dit, quand vous avez une question, vous me demandez. Oui, voilà. Ouais, bon, pour les semer, va falloir qu'ils mettent dans les... Non, faut pas tirer dessus. En barre. Mais si, on peut tirer dessus tant qu'ils nous voient. C'est quand ils nous voient plus qu'on a plus le droit de tirer. On tire des 5000. Et bon, c'est bon. Il est mort. Je repasse à la manette. Alors, on a toujours des étoiles. Hey, McGunnomanette. Attention, ça va. Par contre, le coup des étoiles, là, c'est pas parce qu'on a tué, en fait, les UNIL. C'est parce que, en fait, c'est Eric qui a tué avec son hélico, non? C'est pas ça? Alors, moi, j'ai amené les flics, parce que je trouvais que c'était trop simple. Et après, bah oui, avec les explosions, forcément, ils en ont eu après tout le monde. Bah là, vu où on est, normalement, on va être tranquille. Ils n'ont jamais ici, hein. Si. Ah, ils vont partout les flics, c'est juste que ils. Faut qu'il y ait une route. Ils mettent plus de temps à certains endroits. Ils savent plus où on est, tu vois, et il voilà. Y a leur radar qui est réapparu. Donc là, maintenant, on prend notre voiture, faire... sinon, parce que celle-là est un peu esquintée. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est se cacher là. Voilà. Puis faire A. Oh, oui, ils arrivent, Rick. Faut se barrer. Ouais. On a plus gagné avec nous. De toute façon, faut aller au Kozatka. On a plus Gadu avec nous. Oh putain. Gadu n'est plus avec nous. Ah bah pourquoi t'es descendu, Gadu? C'est bon. Qui t'a dit de descendre? Non, je voulais une voiture toute neuve parce que je me sentais mal. Mais c'est pas grave, je vous suis, j'arrive. Une voiture de police, celle-là, elle va tenir. Hein. C'est bon, je suis là. C'est quoi le motard là qui saute là? De toute façon, on est plus recherché. Bah, moi ça clignote. Je vais commander un hélicoptère. Attends, et vous, ça clignote plus? Non. Moi j'ai un 2 étoiles qui clignotent. Ah bah.
Non mais sinon, attends, je commande un hélicoptère, cache-toi, je commande un hélico. Eh, j'avais une voiture toute neuve, hein. Alors là, ils sont à côté de vous, mais je sais pas si ça vous impacte pas. Non. Non, non, ils ont rien. Ils ont rien contre moi. Ah, c'est bon, c'est passé. Nickel. Je vais y aller. Donc là, je vais revenir avec la voiture de leur pote et... C'est pas nous, c'est pas nous. On l'a acheté deux cases, la voiture. Je vous ramène votre voiture, monsieur l'agent. Bon. Si on va pas leur rentrer dedans ni les écraser. Ouais. Ah, mais j'ai une étoile maintenant. Bon, je m'en vais. Non, t'es sérieux? Bon, rejoignez-moi. Ouais, mais... Allez-y, allez-y, vous inquiétez pas. Yout, oh. Hélico. Qui c'est qui est avec moi là? C'est à toi, le phara là. Ici. Venez dans l'hélico. Yes, j'arrive. Je me jette sur toi. Ceux qui ont des étoiles, montez en dernier. Hein. C'est débile. Moi j'ai des étoiles. Excusez-moi. Ok, Phara monte. Gadu. Je suis là, t'inquiète. Yout, attention derrière toi, Yout. Ouais. Tirer dessus. Ah bah une belle mission facile encore une fois, mis à part les flics à la fin, tiens, ils sont juste derrière. Oula, ils me tirent dessus. Ah bah deux étoiles, moi j'ai essayé. Ouais, c'était rigolo. Oui, c'est celle de Yout. Oula, il y a des véhicules en dessous là qui font n'importe quoi. Donc du coup, on a notre récit de mission. Faut qu'on rentre quand même. On l'a pas finalisé ici. Non, faut qu'on rentre au sous-marin. Voilà. Bon, ça va être vite fait, hein. Après, c'est vrai qu'on n'est pas très bien camouflé, vu la tronche de notre véhicule, mais. Voilà, mais regarde, ils nous perdent rapidement. Hop, voilà. Ouais, les élites. Du slalom. En fait, et il ne va pas passer au-dessus de la prochaine. Oh, oh là, juste en dessous de toi. Non, ça va, je suis trop haut pour qu'il me voit. Ah ouais, bon, surtout, ouais, voilà, parce que ça, il était juste à être haut. Que tout à l'heure, j'étais pas assez haut. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ils te voient pas. Ils ont un bruit, ils disent oh, quel est ce bruit. Oh là là, mais c'est un collègue. Donc une mission rondement menée. Félicitations, comme d'hab. Surtout Phara qui a pas été mauvais ce coup-là. Il a pas tué un mec, je crois, Phara. Si, des flics surtout. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, les flics sont des mecs. Ah, fallait pas tuer des flics, avant. D'ailleurs, y a pas de flics. Faut se défendre, t'inquiète pas, Phara. Ah, mais j'ai augmenté. C'est le plus important. Y a pas de flics filles d'ailleurs dans le jeu. Non. Y'a pas une association féministe ou un truc comme ça qui leur a trouvé comme ça? Non. Pour éviter justement. Je m'attendais, tu vois, un truc comme ça, bien souvent. Bref, faut passer les détails. Mais ouais, ça va peut-être sympa, t'imagines, il y a des policiers en jeu, ça peut être sympa. Ah, mais le problème de ça, c'est que moi je suis absolument pour la parité, que ce soit raciale, féministe et tout, un truc comme ça. Par contre, si tu fais toutes les petites faveurs de tout le monde, c'est-à-dire que parmi les flics, bah, il va falloir mettre une femme. Une personne noire, une personne asiatique, un ceci, un cela, un extraterrestre, un machin. Et en fait, tu vas te rendre compte que, bah, mais ils sont où les flics en fait? Parce que le jeu quand même, c'est à la base. Où sont les flics? À la base, quand même, GTA, il est pas né en 2020. Et du coup, c'était quand même très compartimenté. Donc c'est vrai que les latinos, c'était les gangs de. Enfin voilà, c'est histoire de démarquer quand même. Enfin, j'étais la cuisine. L'histoire. Non, mais voilà, c'est vrai, c'est plus récent maintenant. Et je dis oui en plus. Trop débile, tu sais. Mais ouais, c'est vrai que dans un jeu, j'espère qu'on peut se permettre quand même de faire des trucs comme ça sans dire d'être raciste. Hein. Mais. Parce que c'est. Comment on appelle ça? Les idées reçues. Ah oui, si tu fais un gang et qu'en fait c'est que des blancs, tu sais, avec des petits polos, une petite écharpe et petits machins, un truc comme ça, qu'ils feront pas de mal à une mouche, ça fait pas peur. Tu m'as tiré l'alarme, Yout. En allant un peu plus loin, Yout, il y a aussi y a les hommes, les femmes, et il y a ceux qui sont ni l'un ni l'autre aussi. Et qui se revendiquent ni l'un ni l'autre. Il y a une histoire aux États-Unis où il y a des genres sur les. Et ils me l'ont foutu à l'autre bout. Dingy wingy. Non, ça va, il est pas très loin. Bah, en fait, la question que je me suis posée, Eric, que les viewers se posent la même question, pourquoi en fait on s'est pas posé directement en hélico? Ah, on l'a fait une connerie. On peut pas. Bon, bah, je vous laisse creuser, hein. Ah, là, parce que pour une fois, on va utiliser le dingy,
Voilà, mais bon. On aurait dû retourner en hélico, Dingy. Essayer de le faire les guides, ouais. Bah, t'aurais peut-être dû retourner dans l'hélico pour retourner vers le Dingy, parce que... Ah oui, il est vieux, ah, hein, c'est ça. C'est le bordel, ici. GTA, franchement, c'est ça. Attends, peut-être que là, on pourrait y aller, peut-être. Sur le bâtiment. Oui, aussi, bah là, là on sort, là, à l'époque de Il y a pas besoin de monter sur le bâtiment, il y a un trou dans le grillage. C'est vrai. Rigolo. Eh oh, moi j'avais pas vu le trou dans le grillage au départ, alors tais-toi, s'il te plaît. Ça sent les balles dans ta tronche. Le cocktail Molotov. Oula. Ah ouais. Ouf. Ils avaient rien fait, les mecs. Ils avaient rien fait. Je sais pas pourquoi tu les as fracassés. Eh bah, voilà. Eh bah, si vous avez pas votre colis chez vous, vous savez que c'est de la faute de Phara. Voilà. Voilà. Tant pis, Mamie n'aura pas de livreur du tout, là. Mamie n'aura pas sa... n'aura pas sa bière à Noël. Si vous êtes habitant de Los Santos, Mamie n'aura pas son piqueo. Vous avez des problèmes de livraison. Oh. Je sais, je sens mal encore, c'est sûr. Allez. Il y a 4 places dedans, hein. Faut pas un coup de merde, là. Oui, là, il y a 4 places. Ouais, tu peux y aller. Et non, qu'est-ce pas, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Allez, la néoprène, elle a pris des étoiles en plus. Putain, allez, la néoprène là. Pouf. Qu'est-ce qui se passe s'il fait un plongeon, mais sur le bateau? Eh ben, t'as vu, il a fait en fait. Son perso a commencé à faire un plongeon, puis après, c'est vrai qu'il s'est loupé. Non, mais elles vont se barrer les étoiles. Mais par contre, comment c'est qu'on a des étoiles? Ah, c'est à cause de Phara. Ils ont découvert les corps. Bah, oh bah, non, mais ouais, ont... bah oui, j'ai appelé les pics, moi j'ai appelé. Attention, tu as touché. Ouais, c'est bon, nickel. Ah, bien joué. C'est la navette. Parfait. Nous ont promu. Mais pourquoi tu voles comme ça en fait? Je pense qu'il y a des dessins faux encore là. Ah oui, là, le bateau, je l'ai vu voler pendant 2 secondes là. Regarde, ah, il vole le Dingy déjà de base. Ouais, mais là, il fait plus que vous. Là, c'est n'importe quoi. Oui, Pavel, je sais combien on sort. J'ai l'impression qu'on bouffe le ciel à chaque fois que tu retournes. Oui, la mer est un petit peu agitée. On est en force 12. Allez, il va s'arrêter dessus maintenant. C'est bon. Allez, tu peux monter dessus à l'arrière. Tu peux monter dessus à l'arrière. Oui, c'est vrai que tu peux monter dessus. Oui, parce que j'ai pas envie de mouiller mes nouveaux talons. Ok, maintenant essaie dans l'autre sens, on va voir. Voilà. Voilà, merci. Ok, allez, je plonge. Ah bah ça m'a mis un masque. Ouais, il m'a remis un masque aussi, putain. Eh bon, nickel. Y'a que moi qui... Oui, bah oui, parce que t'as pas de masque. Oui, t'en as pas. Ah pas oui, c'est vrai, j'ai pas de masque. Bon, on y va. Voilà, c'est bon. Allez, on ramène le matos. Ok, une mission matérielle. Vous avez vu que ça prend beaucoup de temps, les viewers d'action, en fait, bah vu qu'on n'arrive pas à se déplacer, c'est ça qui est chiant. C'est que ça prend malheureusement beaucoup de temps. Mais c'est comme ça. Alors par contre là, il va falloir qu'on... Alors, peut-être qu'on remonte plutôt. Voilà. Si on... Oui, c'est par là. Hein. J'ai un doute à chaque fois, mais c'est le dernier étage. Et c'est tout droit. Bah, comment ça se fait qu'on n'ait pas fini la mission? C'est moi qui ai le matériel avec toi, Yout. Ouais, je viens de rentrer. Attendez, il faut le déposer où? Ah bah c'est bon. Parce que j'avais fait rentrer tout le monde. Non mais c'est bon, moi ça vient de valider, hein. C'est bon pour vous. Vous avez les charges explosives, superbe. Autre mission, Rick, deuxième mission, c'était... Deuxième... C'était quoi déjà? Ah là, du coup, le Dingy étant déjà là, on va pouvoir repartir tous les 4 en Dingy. Ah, bien joué. Matériel. Non, c'est pas ça. Duplicateur d'empreintes, c'est ça? Duplicateur d'empreintes, ouais. Eh ben, allons-y, ça ressemble aux toilettes... Toilettes. Du casino. Aux toilettes. Avec l'image. Info. Vous voulez un appareil pour emprunter l'ascenseur dans le bureau d'El Rubio pour descendre dans le sous-sol sécurisé. Alors moi, je lis l'info mission. Vous voulez un appareil de reproduction d'empreintes digitales pour entrer dans la chambre forte d'El Rubio et conséquence sur le braquage, vous pourrez emprunter l'ascenseur dans le bureau d'El Rubio pour descendre dans le sous-sol sécurisé. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Eh ben, on y va, donc. En fait, bon, la description de la mission, c'est voler un détecteur d'empreintes et conséquence, c'est avec les empreintes, vous pourrez copier les... Enfin bon, bref. En gros, c'est un peu du bullshit, enfin, c'est pas grave. Comment ça? Bah, c'est que, en fait, c'est l'info qui est pas... excellente quoi. À côté de vous. Ça nous en renseigne pas vraiment en fait. Attends. Bah si, du coup tu peux utiliser l'ascenseur. Oui non mais ça c'est d'accord mais bon. Oui cette info là c'est qu'on l'avait pas. Mais à part ça c'est ce que je dis en fait. Le truc qui me gêne c'est l'info mission c'est voler le truc d'empreinte et conséquence bah le détecteur d'empreinte sert à ceci. Ouais on pourrait te dire carrément voler le truc d'empreinte pour faire ceci. Point, tu vois, c'est ce que je veux dire. Enfin bref, je cherche pas trop à comprendre ce que je veux.
D'accord. Ça s'est bougé, en fait, c'est qu'il parle un peu pour rien. Comme moi, là, tu vois. Bref, alors. Tu regardes la map, oui? Bah, j'allais te demander. Ouais, c'est l'entrepôt. Ah bah, l'entrepôt, bah, c'est mon QG. C'est mon QG de motard. Donc, t'as combien de QG, toi, dans la ville, au fait? Parce que t'avais déjà un QG à la dernière vidéo. Oui, bah c'est le QG, c'est mon entrepôt de véhicules volés. Voilà, et là c'est ton... Que le LSPD n'a toujours pas trouvé. Et là c'est ton entrepôt de moto. Et là oui, de mon manque de motard. C'est marrant parce que quand on vole j'ai l'impression qu'il y a une qui bouffe le volant à chaque fois. Des corps tombent. Ouais, j'adore ça. Alors est-ce qu'il y a une échelle ici? Non. Alors par contre il y a Eric, si t'as envie de dégueuler, enlève ton masque d'abord. Là. Non, je préfère tout garder. Ça arrête d'être dégueulasse. La échelle, hop. Oh là là. Ok. Bon, il y en a vu une autre un peu plus loin. Secoué comme des merdes, là. Allez. Pourquoi là, t'es en maillot de bain, là-haut, en pleine... C'est... Il y a... Il y a une bikini party. Il y a une de Séoul. Oui, c'est vrai que là, il bronze. C'est pas top pour bronzer, ici. Hein. C'est bon, j'ai réussi. Ouais, ils sont tous en maillot de bain. Mais comment on fait pour enlever ce masque à la con, putain? Alors, tu vas dans tes options... On est obligé de passer par là, je veux dire. Inventaire... En style, accessoires et masque, voilà. Rien n'est obligé de passer par là, malheureusement. Ouais, mais j'en ai pas, qu'est-ce que vous racontez? T'as qu'à pas en mettre des masques aussi, là, qu'est-ce que tu fais chier? Bon, on y va ou pas? Ouais, on y va, bah attends, je demande un véhicule. Bah moi je pensais qu'on allait choper une voiture juste à l'extérieur. Là. Non? Non, on va y aller avec un véhicule qui a de la classe, attends. Quand même! Ah, c'est quoi les véhicules qui ont de la classe? Bah, attends, mais... Attends, tu vas voir. Excuse-moi, mais une sabre? Moi, je trouve que ça a la classe. Sabre turbo. Tiens, ou un camion de bière. Pisse Vasseur, tiens. Ça, c'est pour tout à l'heure. Ouais, je prends un Cayenne, enfin un faux Cayenne. C'est pas grave. Dégage de là, toi. Il a failli me récupérer la voiture. On y va ou pas? Oh! Tu fais quoi toi? Oh! Fais quoi là? Fais te battre, Léo. Allez, en route. Oui, c'est trop. Qui c'est qui a mis deux points? Pourquoi il y a un point jaune et un point violet? Ils l'ont encore modifié le FQ2. La calandre avant est encore été modifiée. Ah ouais. Oui, il est encore différent d'il y a 6 mois. Doucement. Je crois que c'est le véhicule qui a le plus été modifié depuis la sortie du jeu, le Phantom FQ2. Il le modernise au fur et à mesure. Il a plus du tout les mêmes lignes qu'au début. Quoi, je pense que j'ai des... Oh putain. Oh, je crois que c'est un des premiers véhicules que j'ai mis dans mon garage en ligne. Tu as là? Ouais, mais il avait pas cette tête là, évidemment. Là, il a un arrière de Mitsubishi. Ouais, il a été complètement redesigné, et pas qu'une fois. Il était beaucoup plus rond avant. Maintenant, on dirait un peu... Ah. Touché. si, je crois que c'est Lexus, non? Lexus, c'est un avant de Lexus. Ah, peut-être. Maintenant. Putain, il y a du monde. Mais c'est non. Rouge, non? Il y a des caméras. On fait quoi alors? Tu dois éviter les caméras de surveillance ou les détruire. Ou juste couper le courant. Il doit y avoir un disjoncteur pas loin. Ok, disjoncteur, Farah. Ok. Disjoncté. Aussi. C'était sympa, je trouvais, d'utiliser le disjoncteur. Bah, c'est plus sympa de tirer avec une balle de l'ange. Et on arrive. Bon. Ouais, il est bien. On suit, hein. Je braque aussi derrière toi. Ok, je pirate l'ordinateur portable. Ouais, il est chiant. Ça va sniper dans un instant. Laissez-moi devant, hein. C'est la... J'ai canardé. Alors le mot de passe, c'est Panther. Vous avez localisé les archives. C'est devant ou c'est pas devant? Non, c'est pour sortir. D'accord. Je m'attendais à ce que la porte s'ouvre. Et genre, c'est pas grave. Mais c'est un autre endroit. Ah ah! Oula! On change, on passe à. Lampadati Novak. Encore un SUV, mais. Alors ça, c'est Lamborghini, je pense, à rien. On fait tous les modèles de SUV. L'avant, c'est du Jaguar.
Enfin, je. Tu vois que ça. Si je me gourre, mais je dirais ça, moi. Oui, carrément. Enfin, là, même l'arrière, si c'est Jaguar, en fait, c'est pas Lamborghini. Je me doute avec le. Je sais pas, le faut le pas de SUV Lamborghini ici. Très beau, mais bon, très cher aussi, pour ça. Oula. Par contre, ça freine pas. Ouais, mais c'est pas le même conducteur aussi. Bah, c'est ça qui va plus vite que l'autre que j'avais avant, effectivement. On se traîne un petit peu. Quoi. Pas mal. C'était beau ça. Merci. Il a pas passé le carrefour en travers. Alors, ça a été magnifique. Farah, tu peux arrêter de vomir sur moi, s'il te plaît. Ah, oui, c'est vrai qu'il vomit à chaque fois. Ça, c'est parce qu'il est content. C'est pour ça. Et des fois que je sais quoi, je vomis. Ah, mais c'est tout droit là, y'a pas moyen de faire un. Mais ça me ferait chier de sortir et qu'en fait on met des trous de balles dans la bagnole comme ça. Ah, là t'as coupé la route là. Bon, arrêtons de déconner avec les voitures s'il te plaît. Ouais, c'est gentil. C'est vrai que dans GTA, je rappelle toujours qu'il y a plus de voitures de luxe. De continuer tout gamme. Droit là. Pas bas de gamme. Alors faut prendre le pont. Ouais. C'est pour ça qu'il veut pas. Ah, on peut prendre le pont. Ouais, non, on va prendre les escaliers. Ouais, prends les escaliers en voiture. Oula. Oh putain. Vous l'avez pas buté. Je sais pas. Bon, prends l'escalier qui est là, tiens. Fais un petit saut en plus, ça va être stylé ça. Non, voilà. C'est en dessous. Il y a Rick qui est descendu, il a fait oh putain, je me sens pas bien. Il y a pas un qui s'est fait. On essaie de trouver le disjoncteur. Là, sur les caméras. Regardez, il y a un point juste à côté là. C'est là. Oh putain. Oh merde. Ok, j'ai fait une connerie, en fait je suis rentré dedans. Je sais pas, c'est grave. T'as pas attendu qu'on... Je pense qu'on pouvait se faire repérer. T'as pas attendu qu'on tire sur les caméras. Oh, regardez. Localiser le duplicateur d'empreintes. On regardera les voitures après. Oui. Mais on le connaît, ce... Alors je suppose qu'il doit être un point stratégique quand même, il doit être sur un bureau, un truc comme ça, il doit pas être... Il doit être par terre, quoi, vous voyez. Oh, tiens, la voiture me dit quelque chose, celle-là. C'est une opération secrète. C'est là où il n'y a pas de... Non mais il est contre un mur, non? C'est dans un carton. Il y a la mallette du shield. Ah, là, ici, là. Mallette du shield. Bah, pour moi, c'est oui, dans les bureaux qui sont à gauche. Ça me paraît évident, mais... Hop là. Là, regarde, c'est la mallette du shield. Ah oui. Alors par contre, je m'attends à ce qu'il y ait une petite réception à la sortie. Dans la mesure où on a tué que deux personnes, ça me paraît un peu simple, vous voyez. Donc ça sent le sapin. Des archives. Ah bah là, oui, comité d'accueil. Ouais, ça sent enfin, le comité de plutôt de départ du coup pour le coup. C'est d'accueil. Bon, personne. Un problème. Il va le duplicateur. Et eh ben on repart en jet ski. Ok. Ah oui, carrément. Bon, moi j'ai l'arme au cas où, mais en fait, peut-être que non, on va pas se faire harceler. On sera détectable dans une seconde. Ah. Ah, il y a un quad. Je suis désormais visible pour tous les joueurs de cette session. Aïe. Un mec comme il y a que nous. Ça va, j'ai le droit de mettre un petit peu de pression. Voilà. Je suis jaloux, je suis comme ça. Ah, tu roules pas droit, hein, Farah, c'est compliqué, hein. T'as pas honte, pas les serviettes des filles ici, quand même. Oh. Alors. Eh, c'est sympa, quand même, ces missions. Hein. Après, un peu simple, j'ai envie de dire. Oula. Ça va avoir des fuites. J'espère qu'il va pas arriver jusqu'au bout. Oh, les salauds. Le salaud. Le temps que j'aille dessus, j'ai raté le truc. Commence déjà à fumer. Allez. Ah, c'est Cyril, merde, je suis con. Lui qui va par là. Non, n'empêche que ça me coûte du pognon ou connerie de cartouche. Faut contourner l'aéroport. Ah, c'est bon ou... Ah, quoique oui, on peut passer par la marina. Par la marina. Attends, où est-ce qu'on retombe là?
Et il est où le... Non, non, ouais, faut contourner l'aéroport. Non, non. Alors on va où, là? À droite. Putain, c'est ça qu'on est là. Est-ce qu'il y avait des trous de balles dans mon jet ski, sans déconner? Est-ce que t'arriveras jusqu'au bout? C'est la question. On sait pas. Ouais. Bah, il y a deux places sur un jet ski, c'est bon. Il y a pas de raison, hein. Bon, on va voir, sinon on rigolera, puisque c'est des choses qui arrivent, hein, pour les viewers. Bon ben voilà, là, maintenant je pense que là on va être prêt pour aller rencontrer les bijoux d'El Rubio. Tu iras les rencontrer tout seul. Par contre, ce que j'aurais bien faire, moi, avec plus sérieusement, ça aurait été de faire peut-être deux autres missions, par exemple de récupération de véhicules, parce qu'on a fait le sous-marin. Mais pour la beauté, tu vois, j'aurais bien voulu faire un petit. Disons, ouais, pour savoir un petit peu ce qui. Bah comment ça se fait, quoi, parce que là on a fait le sous-marin, mais en fait on a pas vu tout les autres. Puis on aura peut-être plus de choix, ça se trouve, quand il va nous proposer au niveau de la préparation du braquage, on se dira peut-être, bah non, finalement on va peut-être le faire avec le bateau. On verra, on aura plus de choix. Ah. Bon, tout à l'heure, Pavel m'a quand même demandé, m'a appelé pour me demander avec qui est-ce que je comptais faire le braquage. Hein. Ah. Et je crois qu'il a pas percuté que vous étiez avec moi. C'est ça. Et se dire, tiens. Tiens, enfin, on va te dire, toi. Ouais, on va te dire, toi, j'ai pas. J'ai pas, hein. C'est dommage que j'ai pas le... Pas les armes? Quoi? Si, si, j'ai les armes. T'as pas les armes pour l'abattre? Si, si, j'ai des bons corps, mais non, j'attends qu'ils se retournent. Ah, le plus important, ce sera de détruire tous les véhicules, les armes, etc. On ne laisse rien. Si Monsieur Rubio trouve quelqu'un, il nous le fera payer. Ah, okay. C'est-à-dire quoi, ça? Ben, il faudra qu'on détruise tout ce qu'on a utilisé après le braquage. Ah oui, 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 parce qu'effectivement, oui... D'où le fait qu'on prend pas notre propre matériel. Non, pas maintenant, Yut. Ah, mais on a dit fait boum. Rentre ou pas alors? Mais pas ceux-là. Ouais, c'est bon. Bon, et ben du coup, on a fini cette mission-là. Donc, du coup, les prochains. Non, on n'a pas fini la mission. Attendez, on va quand même terminer la mission. Parce qu'il y aura un petit discours quand même, tant qu'à faire. Non, faut rater. Et voilà. Voilà, ça c'est fait. Et ben ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse ici. Et qu'on se reprenne pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.